Découvrez dans cette vidéo comment augmenter avec un levier émotionnel extrêmement puissant, comment augmenter votre volume de vente, comment former vos équipes même à focaliser dans le bon axe tout de suite pour que vous puissiez vous focaliser sur les bonnes actions, les bonnes démarches, les bonnes communications pour que toutes vos équipes commencent à générer des revenus avec la vente. Et vous le savez, plus ils gagnent, plus ils restent. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM qui sont dans vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau. Donc si vous voulez plus loin et recevoir une vidéo tous les jours, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Christophe Tamry. Et dans le descriptif de cette vidéo, vous avez un coffret cadeau gratuit sur les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% de distributeurs. Ce sont des pièges à connaître absolument. Donc comme je vous le disais, beaucoup de distributeurs, quand ils font des ateliers ou des rendez-vous tête à tête pour vendre leurs produits, ils ont tendance à mettre effectivement, et c'est très bien, hein, le côté positif des produits, c'est-à-dire tout ce que les produits peuvent améliorer, tout ce que les produits peuvent régler. Et effectivement, on a le sentiment que c'est ça qui va donner l'envie d'acheter. Et en fait, c'est tout l'inverse. Vous allez découvrir qu'en fait, il y a des étapes en amont que vous devez mettre en place. Et principalement, vous devez comprendre qu'est-ce qui va faire, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, qui va faire que vos prospects vont avoir beaucoup plus envie de dépenser, d'acheter, d'investir dans vos produits. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'en fait, bien, vos prospects veulent d'abord, avant tout, sortir de quelque chose que de rentrer dans quelque chose. Ils veulent sortir et surtout sortir de leur peine ou de leur douleur ou de leur difficulté. Et ça, c'est très important à comprendre parce qu'en fait, vos prospects dépenseront toujours plus pour éviter des douleurs que de répondre à un besoin. Alors, pourquoi ça ? Ça, c'est très important à comprendre, c'est que avant tout, vos prospects ressentent plus leur peine et leur douleur qu'ils n'arrivent à concevoir une solution à leur problème. Donc c'est évident que plus vous les aidez émotionnellement à pouvoir appuyer sur ce qui est difficile en eux et ce qu'ils veulent véritablement quitter, eh bien ils auront beaucoup plus envie d'acheter vos produits si vous savez montrer la solution. Mais évidemment, vous devez d'abord appuyer sur la douleur. Et pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que nous savons aujourd'hui en neurosciences que le levier le plus puissant qui va développer l'acte d'achat beaucoup plus facilement, eh bien c'est la frustration. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que la frustration est à l'origine du plaisir. La frustration est à l'origine du plaisir. Donc, si vous appuyez sur les frustrations et que ensuite vous aidez votre prospect à comprendre que effectivement de cette frustration, il y a la solution qui va vers le plaisir, vous avez gagné. Donc, s'il vous plaît, rappelez-vous, vos prospects dépenseront toujours plus d'argent pour éviter des douleurs. Et ça, c'est la priorité sur laquelle vous devriez vraiment vous focaliser. Donc, posez-vous la question de maintenant de... quelles sont les frustrations que vous pouvez éviter à vos prospects? Qu'est-ce que vos produits vont résoudre? Comment vous pouvez aider vos prospects à se sentir mieux? Allez-y, travaillez en équipe, faites-vous un brainstorming là-dessus et mettez tout de suite en avant quelles sont les frustrations que vous pouvez éviter chez vos clients de manière à ce que vous ayez une excellente communication et que vous puissiez avoir de meilleures argumentations quand vous êtes avec eux pour que vous puissiez toucher les cœurs de vos prospects et en faire de véritables clients et bien entendu après de vrais clients fidèles, voire même des clients qui deviennent de vrais ambassadeurs pour vous. Mes amis, je vous souhaite beaucoup de réussite. Partagez cette vidéo dans vos équipes parce que le moment est juste extraordinaire pour réussir dans le marketing de réseau. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Et comme d'habitude, osez faire ce que vous n'avez jamais fait, croyez en vous. Et surtout, surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. Le monde a besoin de vous. Au revoir.